Je réponds au nom de Franco Gami, je suis le président du comité de coordination Eline de Cancan. Bien, les raisons de cette grève, c'est pas d'autre chose. Depuis qu'on avait commencé les cours, on a fait plus de 4 mois. Jusqu'à présent, ils ne sont pas vraiment payés. C'est ainsi, nos amis et nous, on avait dit nécessaire d'arrêter le cours jusqu'à ce que nous soyons en possession de nos PQ. Parce qu'ils ont dit que les PQ, c'est chaque fin de trimestre. Mais on a fait la première trimestre jusqu'à ce que nous sommes dans l'autre trimestre encore et nous ne sommes pas vraiment en position de nos argent. Et voilà, nous souffrons ici, on a des difficultés ici, on a été orienté, on n'a pas nos parents auprès de nous. Donc, il y en a qui sont obligés d'aller faire taxi-moto, d'aller faire manœuvrage pour avoir quoi à manger. Il y a problème de nourriture qui s'oppose, il y a problème de loyer qui s'oppose. Il y a cas de maladies aussi qui s'opposent, tout ça là. Donc jusqu'à présent, si nous ne sommes pas vraiment en position de nos PQ pour vraiment satisfaire nos besoins, c'est là que ça cause assez de dégâts chez nous. Je suis Ali Kake, instructeur régional par intérim de l'enseignement technique professionnel de Kanka. En principe, chaque trimestre, ces élèves doivent recevoir leur bourse d'entretien. Ceux qui peinent encore, ça traîne. Ça a pris du retard parce qu'au lieu de 3 mois, nous sommes au 5e. Mais quand ils ont commencé la grève, nous leur avons sensibilisé, nous avons remonté les informations à la hiérarchie. Mais qu'est-ce qu'ils font contre toi? Non, je n'en sais pour rien. Puisque ce n'est pas nous qui gérons ces pécules. Donc, ces pécules, c'est une mission chaque fois qu'ils viennent pour les payer. Nous ne pouvons que remonter l'information. Et lorsque vous avez pu l'entendre avec la hiérarchie qu'on a pris là-bas, ils vous ont dit? Pour le moment, il n'y a pas de suite. On nous a rassuré que toutes les dispositions sont prises et sont là-dessus. D'un moment à l'autre, tout sera réglé.